fait comme on fait d'habitude. Parenté de convoi, giro de ton. Donc en fait, on peut passer tranquillement. On passe, tranquille, sans prendre de risque. Les conducteurs, j'ai pas d'inquiétude, ils ont l'habitude. Donc voilà. Ça va, mais. On y va. Je te laisse rallier les troupes. Ça marche. Allez, c'est parti. Moi, j'ai une partie qui rejoint là-bas. Aujourd'hui, ça va être la première couverture que l'on fait au centre JOP avec la colonne sup pour le groupe SUAP. Et en fait, on vient de 16 départements différents. Et de 16, en fait, maintenant, on forme un seul bloc pour justement défendre nos concitoyens qu'il peut y avoir sur ces événements-là. Et l'ambiance, de jour en jour, ça fusionne, ça se crée. Donc voilà, c'est très transversal. C'est le sud avec la colonne est également, avec le personnel des Yvelines. Honnêtement, ça se fédère très bien. En ce qui concerne l'organisation qu'a fait les Yvelines, le 78, honnêtement, on a été très bien pris en charge, très bien accueillis. On voit que ça a été réfléchi, ça a été répété. Voilà, c'est unique, ça fait longtemps que c'est pas en France, donc il faut en profiter. Quand vous êtes venu pour le stop, ouais. Ben voilà, donc vous vous mettez là, vous ouvrez les portes, ils descendent. Il y a l'air d'avoir une très bonne ambiance entre eux, là, les différents départements, tout ça. C'est vrai que je pense que ça va bien se passer. C'est original comme mission. Oui, voilà, ça sort du commun. Je trouve que c'est vraiment super, parce que même au niveau aménagement, confort, logistique, il y a vraiment un travail énorme et exemplaire. Donc on est vraiment très satisfaits. On a eu quelques consignes hier en arrivant, donc on sait à peu près comment va se passer la semaine. On a été très bien accueillis, bien reçus, et on va passer une semaine, une bonne semaine. On va directement au niveau de votre groupement, là, le G5, où on va s'installer avec nos affaires. Et ensuite, on attendra les ordres à l'issue du rassemblement et puis la main dessus, comme on dit. Ouais. J'ai vécu des colonnes feux de forêt, mais là, c'est une première et franchement, l'accueil est extraordinaire. On a toujours été bien accueillis, mais là, chapeau. Tout, que ce soit logement, que ce soit ici au sein de la caserne, franchement, super classe, quoi.